Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back? Must be talking. Don't you come back? I do not understand you. And don't you come back? Oh, baby, please. And don't you come back no more. Ça va mon petit Sterling? Ah bah ça va Cooper, ça va très bien, je suis prêt pour une journée pleine d'émotions. Oh, et pleine de rebondissements, bon! Pleine de rebondissements. On avait pas réussi à avoir une petite réunion d'ailleurs, avec les patrons... On devait pas avoir une réunion, police. Oui, oui, tout à fait. Y a pas de véhicule, c'est une belle voiture ça mon cher Sterling. Très belle auto. Allez viens. Je connaissais un service de taxi qui possédait ce genre de véhicule. C'est une bonne voiture, c'est une belle voiture, c'est une belle voiture. Une très belle voiture. Mais bon, on est qui mon cher Sterling pour juger ces voitures? On est qui pour Nous ne sommes pas voituriers. Ni voiturier, ni service taxi, on n'est pas voilà, tout ça. Voilà, voilà. On n'est pas des gens comme ça. Allez, on est parti. On va où d'ailleurs? On va au commissariat. Déjà, est-ce que votre nièce, mon cher Cooper, est en vie? Écoutez, je ne sais pas. J'ai pas reçu de nouvelles d'elle durant cette dernière semaine. Mais bon, on va essayer d'appeler, on va voir un petit peu. Prenons des nouvelles, inquiétons-nous. Il me semble qu'on devait parler à toute la LSPD, donc. Ça, c'était la priorité, c'était l'objectif. La loi, nous connaissons la loi, donc ne l'oublions pas. Je crois qu'ils arrivent, les avocats. Enfin, ça a l'air d'être des avocats. Allez, à plus. Je pense qu'on nous a repérés. Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour. Bien et vous? Monsieur, je vous laisse attendre à l'accueil, s'il vous plaît. Vous aussi, monsieur, en violet. Nous étions donc attendus, mon petit Sterling. Allons-y. Donc, voilà. Oui, voilà, voilà. Nous étions attendus, mon petit Sterling. Je peux te dire quelque chose? Voilà nos fameux avocats. Ah, monsieur, monsieur. Attendez. Faut que je parle à mon collègue avant. Écoutez, faut qu'il me parle. Nous connaissons la loi. Laissez-moi lui parler. Oui, j'arrive, Sterling. C'est très important. Oui. Oh, bonjour. Bien, enchanté. Non, Sterling. Pardon, oui, excuse-moi. J'aime pas le procureur. Voilà, c'est dit. Eh ben écoute, c'était pas le procureur, c'était le président. Mais allons-y, Sterling. Mais j'aime bien le président. Oh, oui, mais tu l'as dit. Mais le procureur, non. Oui, d'accord. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir. Bonjour, madame. Je suis Sterling Cooper, avocat au gros barreau. Vous êtes très grande. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Vous travaillez dans quoi, ma jeune demoiselle? Je suis... Vas-y, merci à vous, Lévi. Comment ça, vous êtes avocate? Ne descendez pas, je vous ai pas dit de descendre. Vous n'êtes pas avocate. Non, vous n'êtes pas avocate. Nous, on connaît la loi, madame. On connaît la loi, vous n'êtes pas avocate, madame. Quoi? Mais vous avez une attachée-caisse, madame. Si vous n'avez pas d'attachée-caisse, vous n'êtes pas avocate, madame. Vous n'êtes pas avocate, madame. Excusez-moi, non, mais vous êtes qui, en fait, vous? Nous sommes avocats au gros barreau. Vous êtes deux rigolos qui débarquaient en faisant tout connaître. Nous sommes pas rigolos, nous connaissons la loi. On baisse d'un ton, madame. On baisse d'un ton. Nous sommes Sterling Cooper, avocat au gros barreau, madame. Enchanté de faire votre connaissance. Nous sommes mandatés par la jurisprudence et nous sommes d'ailleurs auxiliaires de justice, madame. Super, mais en rien je vous permets de remettre en cause mes talents s'il en tant qu'avocat ou autre, s'il en fait. Vous plaît. Dites-moi tout, monsieur, parce que cette dame ne nous intéressait pas. Oui. Non, mais c'est une blague, par contre. Sterling, elle est totalement incompétente, elle n'a pas d'attaché. Eux, ils sont avocats. Sterling et Cooper, calme. C'est maître Sterling, maître Cooper. S'il vous plaît, mais soyez un peu diplomate pour une fois, bon sang. Nous sommes diplomates, monsieur. Nous sommes professionnels, nous connaissons la loi. C'est pas une pimbèche qui va nous apprendre la loi. Non, mais c'est une blague, là. S'il vous plaît. On va pas non plus se lancer dans des guerres d'avocats. Attends, non, ils sont réellement avocats? Je trouve que cette femme parle d'une manière très hostile, mon cher Sterling. D'accord, pour une avocate, ce n'est pas très professionnel, mon cher Sterling. J'aimerais bien voir ses plaidoyers. Oui, dis donc. Messieurs, les plaidoiries de madame, c'est assez incroyable. Les plaidoyers de madame, ça doit être quelque chose. Mon cher Sterling, vous me faites rire. Allons-y. Messieurs, figurez-vous qu'elle se débrouille plutôt pas mal et qu'elle a un très bon plaidoyer. Donc, je vous prierai de respecter un peu madame Maître Harley. En tout cas, elle vous respecte. Bien sûr, nous respectons tout le monde. Hein. Pour bah voilà, avocat commis d'office, nous la respectons entièrement. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Écoutez, pas grand-chose. Nous avions rendez-vous avec le président. C'était bien le président, mon cher Sterling. Et vous êtes qui, monsieur? Oui, mais qui êtes-vous, monsieur? Ah bah, figurez-vous... Vous êtes sûr que vous n'avez pas des problèmes d'Alzheimer ou quoi que ce soit? Vous êtes le procureur. J'ai reconnu à l'atteinte des lunettes de soleil. J'étais pas sûr, on a dormi dans un parking. Ah
On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Bah, figurez-vous que si on est en poste de police, donc si vous aviez rendez-vous avec le président, ce serait au gouvernement. Alors non, parce que vous devez parler à la LSPD, monsieur. Ah bah, c'était la LSPD ou au président ? À la LSPD, monsieur. Très bien. Bah, vous avez... Organisé par le président lui-même, monsieur. Vous avez 03 qui est à ma gauche, n'hésitez pas si vous souhaitez lui parler. C'est qui, Zod ? L'agent à gauche. C'est moi. Bonjour, comment allez-vous ? Une voleuse, elle est habillée en voleuse. Très bien, exactement. Pouvons-nous discuter dans un lieu un petit peu plus adéquat ? Un lieu non incongru. Ça marche, je vais juste m'entretenir vite avec le procureur juste avant. Bien sûr, allez-y. Bien sûr, madame, vous connaissez votre métier. S'il vous plaît, pendant mon absence, pas de joute verbale. Merci beaucoup. Oh, aucune joute ici, voyons. Elle a l'air fort agréable. À maître Harley, suivez-nous, s'il vous plaît. Harley. Calmez-vous, Sterling, calmez-vous. Mais c'est vrai qu'Harley, c'est tout de même plutôt cocasse. Hein. Oui, c'est quand même assez cocasse. Oui, c'est quand même cocasse, Oh. Bonjour, capitaine commandant. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes beau. Merci, mais je ne suis pas capitaine commandant, on fait partie de la brigade DEA. Officier de 56. Enchanté, monsieur. Écoutez, vous êtes les deux avocats, c'est ça ? Exactement, monsieur. Nous sommes les deux avocats. Très bien, vous êtes venu pour monsieur... Bah, nous étions attendus, me semble-t-il. Nous étions attendus. Alors monsieur, il y avait monsieur Ricky Spanish et il y a un monsieur Teddy Campbell en bas. Donc Et alors, c'est qui ces gens-là ? Eh ben occupez-nous, Sterling, occupez-nous. Allez, venez. Allons-y. Venez. C'est une affaire, Sterling, on prend. Hein. On n'était pas venu pour ça, mais autant prendre. Oui, mais on prend. On a un travail, on a une déontologie. Bien sûr, Sterling. Alors monsieur, vous connaissez un peu, voilà, juste je vous fais un topo. Oui, dites-moi. On fait partie de la brigade anti-drogue, la DOA. D'accord, donc je suppose que nous aurons affaire à des drogués. Des camés, des drogués et peut-être plus, mais voilà. Et peut-être des innocent, monsieur. Oui, aussi. Nous connaissons la drogue. Malheureusement, les rapports prouvent le contraire, mais c'est votre boulot. Il y a des rappeurs en plus de ça. Ah oui, des rapports, monsieur. On n'arrête pas les gens sans raison. Vous avez un premier client ici. Très bien. Et on a un autre client qui est derrière les barreaux. Alors, pouvons-nous nous charger du dossier le plus complet, le plus complet, alors, monsieur. Alors, le reste, vous le laissez à la femme. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Le monsieur qui est en cellule, il a tiré sur un agent, d'accord ? Ça c'est bien. Il y a eu course poursuite, délit de fuite, il y a eu plein de choses. Et le monsieur là, le petit, prise d'otage sur civil, vol, délit de fuite, refus d'obtempérer. Vol de véhicule de police. Prise d'otage sur civil, enfin voilà. Alors, on aimerait être seul avec notre client. Alors, venez. Alors, venez, monsieur Ricky. Non, mais ici, on n'aura pas de bruit, au moins. Parce que si on va là-bas, il y en aura du bruit. Oui, comme vous le sentez. On a peur de déranger... Donc, ça vient. Ouais. De déranger ce monsieur avec cette très belle crinière, d'ailleurs. Antti, tu regardes juste avec eux ? Comment ça se passe ? Je vais voir de l'autre côté. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Vous êtes monsieur Spanish, si j'ai bien compris. Ah, c'est bien ça, patron taxi, là. Oh, on s'est déjà vu. Vous êtes patron taxi, monsieur, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Très bien, note tout. Alors, pour un patron taxi qui se retrouve en cellule, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous. Et bien loin de votre domaine. Oui, bien. Oui, vous êtes un petit peu égaré, monsieur, là, sur votre parcours. Commençons dans l'ordre, votre nom, prénom, âge, et avez-vous de l'argent pour payer des avocats au gros barreau ? Oui. Évidemment que j'ai de l'argent. Très bien. Beaucoup d'argent, j'espère. Ah, vous en faites pas, Sterling. Nous faisons les prix, évidemment, qui ont été commis d'office par le gouvernement mis en place dans Los Santos. Rappelez-moi vos noms, là, messieurs. C'est monsieur Sterling Cooper. Nous sommes les meilleurs avocats. C'est qui Sterling ? C'est qui Cooper ? Sterling. Ouais, moi, je suis Sterling. Voilà, c'est l'homme à ma gauche qui est chauve. Enfin, chauve. Cheveux coupés, je suis le bel homme devant vous. Donc vous, c'est Cooper. Exactement. Mais vous savez, on s'est déjà vu dans d'autres circonstances, là. Quelles circonstances ? N'en dites pas plus, j'ai de mémoire, monsieur. Bon, on va essayer de vous sortir de là. Bon, dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le patron ? Bah écoutez, ma version, là... En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens là qui ont kidnappé des employés à moi chez les taxis, d'accord ? Augustin et comment il s'appelle ? Didier. Augustin et Didier. Des personnes malveillantes s'en sont pris à deux employés parfaitement sains. Exactement. Ça c'est très important, ça peut aller dans la plaidoirie. Bien sûr, ça va aller dans la plaidoirie. Leurs ravisseurs, ils m'ont dit, ouais, on a kidnappé d'autres vogueurs, donc on sait que vous avez des revenus, vous n'êtes pas trop taxi là. Donc vous allez acheter un bateau, vous habiller de telle manière, avec un tel masque et vous rendre à cette localisation exactement. Vous attendez les instructions. Qui vous a demandé ça, monsieur ? J'aimerais bien le savoir. Hein. Très bien. Est-ce que vous avez prévenu la police à ce moment-là, monsieur ? J'avais peur pour mes gars. Sinon, mon cher Sterling, il faut avoir les détails. Mais monsieur Sterling, vous vous doutez bien qu'il nous l'aurait dit, je pense. Oui, j'imagine, mais bon. Il est perspicace, c'est normal. Et du coup, ils m'ont dit, va acheter un bateau là avec les moyens que t'as là. Du coup, moi, j'ai dû retirer 100 000 $. 100 000 $, d'accord, très bien. Du contrat entreprise. Beau bateau. Ah oui, beau bateau.
très gros bateau. Et ben du coup, moi, je me suis retrouvé, malgré moi, dans deux saldras. Hein, je suis allé à une position là, sur la côte, là, vers le phare, là. Vous voyez à peu près. Nous voyons. Et du coup, ils m'ont dit, mets-toi à cette position là. Vous étiez armé, monsieur? Oui, j'ai mon PPA, je suis en règle à ce niveau. Ah, vous êtes en règle. On est en règle, c'est une bonne chose. Mais oui, j'avais un pétoir. D'ailleurs, là, la police, là, je sais pas qui ça, ils m'ont fouillé, ils m'ont tout pris, là, ils m'ont pris tout mon argent. C'est normal, monsieur, c'est normal que vous n'ayez pas d'armes dans une cellule, monsieur, vous inquiétez pas. Non, je parle pas d'armes, je parle d'argent. Mais c'est normal aussi, ce n'est pas volé. C'est en cellule. Ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les pièces. Vous inquiétez pas. Bon, continuez. J'étais sur ce bateau là. Ils m'ont dit de rester là, d'attendre. Et là, je vois j'entends qui débarque derrière moi là. Je me retourne. Et je vois une grosse voiture, une grosse cylindrée qui déboule pleine vitesse. Avec quoi derrière là? Plein de véhicules de police là. Un hélicoptère. C'était n'importe quoi. Oula là. Oui, d'accord. Vous étiez en bateau là, non, à ce moment-là? Ah oui, j'étais toujours sur le bateau. Là. D'accord. Alors pourquoi avez-vous été arrêté là dans cette histoire? Et pourquoi il y avait des voitures sur l'eau? Sur l'eau. Il y avait pas. Non. Vous étiez en bateau. Vous avez dit qu'il y avait des voitures. C'était sur la côte, je pense, Monty Sterling. Oui, sur la côte. D'accord, mais je précise, il faut poser les questions. C'est toujours bon de préciser, Sterling. Du coup, moi, j'étais sur ce fameux bateau-là, et d'un coup, moi, j'ai paniqué, j'ai commencé à appuyer le gouvernail, là, et enfin, à mettre les gaz, et à essayer de me barrer. Et moi, j'ai paniqué, vous imaginez. Monsieur, oui, on comprend, mais il ne faut pas faire ça quand vous voyez des forces de police, monsieur. Mais c'est pas la meilleure solution. C'est très suspect, monsieur. Il ne faut pas partir, surtout que vous êtes patron. Bon, hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous étiez donc habillé de manière toute vêtue, sur un bateau, à un point donné. Alors, j'étais habillé apparemment comme les ravisseurs là qui ont kidnappé là. Écoutez-moi. Non mais je comprends ce que vous voulez me dire. Attends. Mais du coup je finis ma version du coup pour la police et moi je vous donne la bonne version. Voilà, bien, c'est très bien. On continue de noter, Sterling, tout de même. On vous aidera à faire une belle version, vous inquiétez pas. Continuez de noter tout de même cette première version. Heureusement que vous êtes deux, hein, comme ça vous avez une version chacun. Hein. Voilà, allez. Du coup là, j'étais sur ce bateau là, t'as des gens qui sautent du... Alors ça saute d'hélicoptère, ça plonge à la nage, ça monte jusqu'au bateau, ça me braque avec des armes, ça fait n'importe quoi, c'était le gros bordel. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe là? Je me prends une balle de nulle part là, j'ai pas compris, je me suis retrouvé dans un mini coma là à l'hôpital. Voilà. D'accord, aviez-vous sorti une arme et pointé devant la police? Attends, il va nous expliquer. Non, c'est très important. Non mais la vraie version va arriver là maintenant. Du coup voilà, donc jusqu'à maintenant là, ça c'était une version de oui, type... J'avais bien compris. Oui, vous aviez compris. Mais attendez, c'est très important dans la version, avez-vous sorti une arme, oui ou non? J'ai mon arme, oui, mais dans la panique, j'ai sorti l'arme, oui. D'accord. Et par peur et légitime défense, vous l'avez tiré. Bien sûr. Maintenant, donnez-nous la vraie version, s'il vous plaît. J'ai déjà ma petite idée, Sterling, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je sais comment. Bah, une partie de pêche peut vite mal tourner, comme on dit. Ouais, ouais. Dites-moi tout. Devez pêcher Alvarez avec Effie Cooper, hein, tout ça, là. Très bien. Ah. Ça, tu notes plus, hein, par contre, hein, Sterling. Non, j'ai rayé le mot. Tiens, utilise la gomme, donc, qu'il y a au bout des. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de noter ce qu'il est en train de nous dire? Bon, voilà ce que je vous propose, monsieur. Vous étiez donc dans une partie de pêche. Si je résume la vraie version, la version des faits, vous avez donc décidé d'aller à la pêche. On est bien d'accord jusqu'ici. Vous avez vu des criminels dans un beau véhicule, tuné, qui plus est, poursuivi par la police. Vous avez continué à pêcher. De votre côté, tout allait bien. Évidemment, vous étiez seul, n'est-ce pas, dans cette partie de pêche? Évidemment. Voilà, vous avez donc décidé, parce que vous aimez bien, vous sortir aimez des masques pour éviter d'avoir de l'eau dans les yeux ou le vent, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ne pas être vu par le poisson. Évidemment, un camouflage pour éviter d'être vu. Il est vrai que vous vous amusez à pêcher avec une arme à feu. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu là-bas parce qu'il y avait deux de mes gars en otage, hein, Augustin et... Oui, mais une partie de pêche, ça fait jamais de mal, monsieur, d'accord? Mais vous étiez... Attendez, non mais écoutez-nous, monsieur, on connaît la chose. Vous étiez en train de pêcher quand vous avez reçu... Qu'est-ce détail stipulant que Didier et Roger étaient pris en otage. Bon, donc vous étiez en train de pêcher. Soudain, votre téléphone a sonné. Votre téléphone a sonné, d'accord. Et là, une menace. Une menace. Menace sortie d'outre-tombe. Oui, ça me revient, putain, c'est bon. Voilà, une très grosse menace qui vous disait que deux employés totalement vierges de casier judiciaire, d'ailleurs, ça ira en votre faveur, je vous le dis, monsieur, ont été menacés et pris en otage. Et si vous n'alliez pas les chercher, même durant votre partie de pêche, malheureusement, c'était... Exactement.
Donc la mort. Vous n'avez pas le temps de vous changer. Bien sûr. Ni rien. Donc vous vous dirigez vers les lieux avec votre bateau. Ouais, ouais, voilà. Vous arrivez sur les lieux et qu'est-ce que vous trouvez sur les lieux? De la police, c'est ça? Disons que j'étais déjà sur les lieux, mais. Il est déjà sur les lieux, parce qu'il pêchait, Sterling. Bah oui, il pêchait. Je pense que cette affaire, on va pouvoir s'en occuper facilement. Oui. Bon, écoutez, on va essayer de vous renégocier une remise de peine. Vous payez, vous prenez les blindés, ok. Et vous pourrez récupérer tout ce que vous aviez sur vous. Un petit point important tout de même. Ok, prenez une dodge. Un policier a été touché. Et donc, du coup, cela signifie quoi? Ça signifie que vous avez confondu un policier avec une remonta. Oui, mais je pêche à l'arme à feu, moi, c'est pour ça. Oui, non, mais on sait. Attendez, blague à part. Quand vous avez tiré sur ce policier, il était où et vous étiez où exactement? Alors, ça, c'est un point très important. Alors, il était monté sur le bateau, justement. Et voilà. Ah, mais attendez, vous savez qu'on ne montre pas sur les propriétés sans amendement. C'est une propriété privée. Oh, ben oui, mais totalement, mais sans amendement, on ne peut rien faire. Et c'est pas fini, attendez, parce que... Oui, on vous écoute. Il faut le dire avant ça, quand même. Hein. Cette personne-là, quand elle est montée, au dernier moment, je me suis rendu compte, du coup, que c'était un agent de police. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mon arme et j'ai visé, au dernier moment, la jambe. C'est-à-dire que j'ai volontairement évité une blessure mortelle. Hein. C'est fantastique. Très bien. Réflexe. Donc, violation de la propriété privée, ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il s'était présenté? Oui. Ah non, pas du tout. Ah, est-ce qu'ils vous ont cité vos lois? Une sommation, avant même de rentrer sur le bateau. Ah ben non, moi j'ai juste vu un maître nageur grimper comme ça sur mon bateau. D'accord, et très bien. Très bien. Ça c'est intéressant, je propose qu'on s'en occupe très rapidement. Qu'est-ce que vous avez dit à la police exactement? Est-ce que vous leur avez raconté que vos employés étaient en otage et tout? On va pouvoir s'en occuper. Dites juste oui ou non, monsieur. J'attendais parce qu'il y a des petits filous là. On connaît la loi, monsieur. C'est la police. Moi, je leur ai rien dit. Ils m'ont dit vous avez le droit de garder le silence. Ah oui, donc pour l'instant, vous n'avez pas parlé à la police. Ah ben non. Ah, j'ai dit, je parle pas à mon avocat. Écoutez, histoire de merde là avec les deux personnes, on va l'oublier, d'accord? Parce que là, il y a eu violation du droit privé. Vous étiez en train de pêcher. Évidemment. Et légitime défense de votre part, vous avez donc tiré un coup de feu. Un individu est monté sur votre bateau et vous avez tiré de peur. Exactement. Voilà. Allez, à tout de suite. D'ailleurs, vous avez décidé de mettre votre masque quand vous avez entendu les sirènes et tout le raffut. Vous mettez votre masque parce qu'il y a du vent sur la brise marine. Voilà, exactement. Voilà. Après tout, on a bien le droit de lutter contre le vent. Oui, c'est quoi la petite précision? La précision, c'est les otages. Oui, vous êtes au courant de rien. Oui. D'accord. Et par contre, là, les policiers, là, ils m'ont pas pris mon téléphone. Hein. Je sais pas si c'est un vice de procédure, là, mais... Le donner. C'est intéressant. C'est intéressant. Et est-ce qu'ils ont bien lu vos droits dans les 10 minutes qui ont suivi l'interpellation? Après que je sois sorti de l'hôpital ou avant? Dans les 10 minutes après l'interpellation. 10 minutes après. Vous êtes interpellé sur un bateau tout de même. Hein. Oui, c'est largement un peu 10 minutes, puisqu'avant, j'étais à l'hôpital. Vous êtes fait tirer dessus, monsieur? Eh oui. Je pense qu'on va pouvoir sortir sur le sujet. Oui, on va peut-être même pouvoir porter plainte contre la police, d'ailleurs. Non, demandons pas trop. On va voir. Voilà. C'est très bien cette affaire. C'est une très bonne affaire. Des hommes rentrent sur le bateau, croyez-moi, ça va être du gâteau. Excusez-moi, il y a quelqu'un ici. Là, il y a du monde. Dites donc, attends, frappe fort. Ça peut péter ma façon. Oui, dites voir, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que la DOA, un agent, est ici? C'est pour le cas de notre client, monsieur. Monsieur Sanchez. Ricky Sanchez. Ou un truc comme ça. C'est pour s'occuper de la personne en cellule en bas, monsieur. Voilà. Voyez avec ceux qui sont dans le bureau. Il faut qu'on voit. D'accord. Bonjour, messieurs. Oh là là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous recherchons la DOA. Bonsoir. Un agent de la DOA. Les personnes chargées de s'occuper de la personne dans les cellules. Qui a été arrêté sur un bateau. Je vais appeler quelqu'un. Oui, que vous avez trouvé sur un bateau. Pardon, c'est très important. Excusez-moi, j'étais en train d'envoyer un mail. Oui, dites-moi. Les responsables de l'affaire. Les responsables des personnes dans la cellule. Ok. Donc c'est 56 et 26, si j'ai pas de conneries. Voilà. Je les appelle. C'est eux qui sont en charge de l'enquête. Appelez-les s'il vous plaît, on va s'occuper. Vous savez quoi? Dites-leur qu'on les attend juste en bas dans les cellules, d'accord, monsieur? Très bien, ça marche. Très bien, passez une bonne journée. On transmet. On compte sur vous. Oui, je m'en occupe. Nous n'allons pas attendre très longtemps. Allez, viens, Sterling. La justice va rayonner. La justice n'attend pas, Sterling. Et on connaît la loi, messieurs. Et on connaît la loi. Il y a un truc par terre, fais attention de pas trébucher dessus. Oui, bonjour, monsieur. On attend les deux personnes qui vont s'occuper de vous. Avez-vous pensé au budget, monsieur avocat?
Tout ce que je pense, c'est sortir de là, putain de merde. Je suis en train Vous allez sortir, on comprend votre colère, monsieur. C'est pas avec ce comportement, monsieur, que vous sortirez le plus vite. Voilà, voilà. En tant que pêcheur, lui, il a pris un Tech 942, donc du coup, moi, je prends 60 pochons de dame blanche. Nous n'entendons rien, n'est-ce pas, Sterling? Nous n'avons rien entendu, monsieur. Ayez une attitude de pauvre pêcheur. Est-ce que vous sentez le poisson? Ouais, je pêche le plaque basse même. Vous aimez le plaque basse? Je ne sais pas ce que c'est, monsieur. Je dois vous avouer que ma connaissance du poisson est limitée. Vous avez le nez bouché, monsieur Sterling. Oui, c'est vrai. Je vais aller me moucher, tiens d'ailleurs. Bon, sinon, parlons forfait. Vous aviez prévu combien, monsieur, pour nous payer? Vous savez, moi, je suis pas trop taxi, hein. Enfin, si je garde l'entreprise après ça, évidemment. Oui, vous allez garder votre entreprise, monsieur. Normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Il y a tout de même une violation du domaine privé. Ok, ils arrivent, c'est parce qu'ils ont appréhendé un suspect. Donc ils vont arriver, et puis ça fait beaucoup ils sont là dans... Soirée, quand même. Mais je vous en dis même pas, là. Ce soir, on a chopé plein de gens, on a chopé plein de cargaisons. Très bien. Bah écoutez, on les attend à l'intérieur. Merci beaucoup, et qu'ils fassent quand même un petit peu vite. Dites-vous juste, c'est comme si qu'on ouvrait un pack foot et qu'on avait plein de célébrations. J'entends bien. Qu'est-ce donc qu'un pack foot, mon Sterling? Un pack foot. Je dirais qu'un pack foot, c'est un pack de foot, mon cher Cooper. Allez, venez. Ah ouais, monsieur l'avocat. Ah. Pardon, j'étais sur le terrain, j'arrête encore des types. Dites donc qu'on aura du boulot. Bon, est-ce qu'il est possible de parler parler avec vous? De parler l'affaire de notre client, monsieur. L'affaire de notre client, parce que je pense qu'il va falloir le sortir, monsieur. Ouais, oui, tout à fait. Alors, je suis pas concerné directement. Est-ce que vous voulez que j'appelle les agents qui étaient concernés directement? Oui, il faut qu'ils viennent quand même vite. Faut qu'ils viennent. Okay. Parce que ça fait quand même longtemps et j'ai peur qu'il meure de vieillesse, notre client. Il est pas en état cadavérique, là, ça va. Écoutez, c'est pas agréable de rester emprisonné, surtout à tort. Ah, bah ça, je le conçois. Surtout quand on est innocent, monsieur. Quand on est innocent, monsieur. Après, si on l'arrêtait, c'est qu'on trouve pas innocent, justement. Non, on en parlera. On en parlera, vous inquiétez pas. Moi, je dis au nom de la police. L'interprétation judiciaire, nous la connaissons, monsieur. Bien sûr. C'est un très bon mot que tu as sorti, là, Sterling. Je suis plutôt étonnamment conquis. Mais je connais la loi, mais... Oui, mais tu connais la loi. Je sais. Je suis Cooper, Sterling. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce vilain criminel, là? Il n'a rien fait, monsieur. Il n'a rien fait, monsieur. Ce n'est pas un criminel. Ah, mince, alors. C'est bizarre, je n'avais pas eu vent de votre cabinet auparavant. Sterling Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Très bien, vous m'embarrassez, monsieur. Dites-moi, pourquoi? La coupe de cheveux peut-être qui vous dérange de Sterling? On est plutôt à l'opposé capillairement parlant, oui. Oui, il y en a qui ont du goût, il y en a qui n'ont pas. Ah, je vous remercie en tout cas. Et donc, à part être avocat et vous manier la rhétorique, que faites-vous d'autre? Écoutez, nous sommes avocats. Pour l'instant, on est avocat. Oui, on a déjà affaire avec ça, monsieur. Je pense que vous allez passer un petit peu le temps pour rendre ça plus agréable. Vous pouvez participer, monsieur Spanish, si le cœur vous en dit. Spanish, voilà, c'est ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas là où vous voulez en venir, monsieur. Vous êtes originaire d'Angleterre, si je comprends bien. Non, absolument pas. De Virginie, aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez un petit accent anglais quand je... Par anglais, vous entendez virginien, c'est ça? Non, anglais, d'Angleterre. Royaume-Uni. God save the Queen. Alors, monsieur les avocats? Attends, je suis en train de représenter Nadine, for God's sake. Oui, mais Nadine doit aller se coucher, monsieur. Ouais, Nadine a un alliage en Kevlar. Il faut que Nadine parle, monsieur. Il faut que Nadine aille dormir. Vous l'aimez bien? Elle est belle? Oui, allez bercer Nadine. Oui, allez, au revoir, Nadine. Vous connaissez George Bush? Bon, il faut partir. George Bush, c'est mon flingue, regardez comme il est beau. Monsieur, on n'a pas le droit de sortir une arme à feu. Qui va m'arrêter, la police? Non, nous-mêmes. Non, mais nous-mêmes, messieurs, nous sommes assermentés. Nous sommes des auxiliaires de justice, pour rappel. Du coup, j'ai appelé le procureur et il m'a dit que le monsieur devait dormir cette nuit-là. Je suis pas. On doit tous dormir. Alors, attendez, Cooper, laissez-moi prendre les choses en main. Vous énervez pas. Où est le procureur? On va aller le voir. Si la montagne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Je vais l'appeler, je vais lui dire ça. Voilà. C'est bien dit. Monsieur le procureur. Bon, notre client doit sortir. Je vais lui écrire parce que là, ça paraît compliqué. Écrivez-lui, postez-lui un pigeon, mais faites quelque chose, monsieur. Que là, clairement, croyez-moi que mon client va pas dormir là cette nuit. Il arrive. Très bien, c'est bon. Voilà, on va y arriver. On aimerait réduire la criminalité dans cette ville, mais à cette vitesse, ça risque d'être compliqué. Ouais, je disais, mais on a pas mal de... En ce moment de... Il y a qu'un seul procureur en ville. Voilà, c'est ça le problème. Il y a qu'un seul procureur et on est un peu submergé en ce moment, la criminalité est en hausse. Ah bah... Et tu te rends compte, Cooper, si on était procureurs, tu te rends compte un petit peu tous... Ça irait très vite, ils seraient tous en prison. Nous en parlerons à un moment opportun. Et attends que vous laissez pas sortir tous les criminels de la ville pour vice de procédure ou je ne sais quoi. Parlant de vice de procédure, on en a justement, donc il faut que notre client sorte. Oui, voilà, c'est pour ça. Est-ce que vous avez entendu parler d'une avocate qui s'appellerait Harley? Oui, mais la gentillesse, si monsieur, c'est pas la loi. Et nous, on connaît la loi, on n'est pas gentil. Parlez-nous un peu d'elle. Ça fait combien de temps qu'elle est... Ça fait des années, si Steven Feneu, pourtant, c'est moi. Je note des années. Et elle exerce au nom de quel cabinet, monsieur?
J'en sais rien du tout. C'est notre avocat commis d'office, donc... Tu vois, Sterling, qu'est-ce que je disais tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas. Messieurs Dubois, est-ce que le commissariat a de l'argent? Pas beaucoup, malheureusement. Pas beaucoup. Vous savez qu'on n'a pas été, payé pendant deux jours. Cela ne nous regarde pas. Et nous, on n'a pas été payé depuis qu'on est là. Nous, on n'a juste jamais été payé, monsieur. Voilà, on n'a pas été payé. Savoir, hein. Et en même temps, vous ne faites pas un travail très digne, j'ai envie de vous dire. Ah, dites-nous tout, pourquoi? Ah, les avocats... Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez craché, là, monsieur. Non, absolument pas, je me suis raclé la gorge. Monsieur, vous avez fait diffamation ainsi que crachat dans un lieu. Non, je n'ai pas craché, for God's sake. Je me suis raclé la gorge. Mais monsieur, vous savez que kit de réparation, chaque année, des centaines de milliers de personnes finissent en prison pour rien. Ah, bah ça. Comment ça va, ça, monsieur? Ah, yeah, moi, je n'aime pas les envoyer en prison. Je préfère aller dans un coin, dans une rue et Ok, bon, décidément, au bout de deux fois, c'est pas une blague. Donc je note. Si, c'était une blague, for God's sake. Je note. L'humour de Virginie, vous allez la voir entre quatre. Bien, finalement, je vais me taire. T'es bien réfléchi. Ah, franchement, ça te va bien comme ça, 15. Alors, 98,55. Je vais noter ça. Ce sera plus simple que vous communiquer avec lui, je pense. Monsieur Ricky. Ouais, je vous écoute, là. Vous nous payerez pas. On va faire en sorte que ce soit la police qui paye la prestation des avocats pour toute la perte de temps engagée de votre côté comme de notre côté. Exactement, monsieur. La perte de temps et surtout les dommages qu'ils m'ont causé, hein. Oui, vous dommages. Inquiétez pas, monsieur. Vous allez pouvoir pêcher de nouveau. J'ai quand même pris une balle. Ils m'ont ouvert le ventre. Ils m'ont charclé à l'hôpital, Monsieur, chaque chose en son. Si on sent que le feeling est bon, croyez-moi qu'on demandera des dommages et intérêts. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Oui, bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Ici Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Ah oui, dites-moi. Avec sa valise. Nous vous attendons toujours dans les cellules, hein. Je suis au poste de police, j'arrive. Très bien, tout de suite. Il arrive, le procureur. Il arrive, c'est une très bonne chose. Voilà, juste... Monsieur le procureur, pouvons-nous aller dans un lieu clos entre vous, moi et nous et vous? Et le client. Non, contre, le client peut attendre là. Alors, vous êtes en charge de l'affaire concernant notre client, monsieur? Bah, étant donné que je suis procureur, je suis en charge de toutes les affaires. Très bien. Et ben, ça va, procureur. Avant de commencer à parler, monsieur, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous retenez contre notre client. Ne vous inquiétez pas, on va se poser dans le bureau et on va en discuter. D'accord, très bien, on va en discuter dans mon bureau. Vous savez quoi, on va aller dans la petite cafette. Là où les gens ne crient pas pour rien. Bon, c'est pas l'endroit le plus glamour, mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, voilà ce que je vous propose. Notre client a été gardé bien trop longtemps avec vice de procédure. Le nom de votre client, c'est Monsieur Ricky Spanish. Voilà, Ricky Spanish. Et pourquoi il s'agit d'un vice de procédure? Vice de procédure, pourquoi? Eh ben, je vais vous le dire. Vous êtes... Eh ben, dites-moi. Non, mais je vous dis, mais écoutez, je vous dis, je vous dis. Laissez-le sortir ses notes, monsieur. Mais laissez sortir mes notes tout de même. Donc, la police, sans prévention, d'accord? Sterling, on est d'accord. Ni tir préventif, ni... Laissez-moi vous dépeindre un tableau, monsieur. Laissez-le. Oui, laissez-moi. Je vous laisse. Laissez-moi vous peindre un tableau. Imaginez-vous sur votre petite embarcation, un dimanche soir, vous décidez tout bonnement d'aller pêcher de la raie manta et autres truites, quand soudain, un individu monte à bord de votre bateau. Un individu habillé tout de noir. Un individu qui ne fait aucune sommation, ni rien du tout. Quel est votre réflexe, monsieur? Quel est votre réflexe en tant que propriétaire d'un bateau? Et américain, n'est-ce pas? Et américain. Nous sommes en Amérique, rappelons-le. Nous sommes en Amérique, propriété privée, donc de surcroît, et un individu monte à bord. N'est-ce pas normal que notre client use de son droit de défense capitale que le premier amendement de cette grande institution américaine nous offre? Le droit à la légitime défense, le droit au port d'armes, monsieur. Alors, le droit au port d'armes, c'est le second amendement. Oui, et le droit de légitime défense? Et le droit de légitime défense. Si vous connaissez la loi, monsieur? Bah, le droit de légitime défense. Oui, et donc? Oui. Bien, pour moi, il va avec le second amendement, qui garantit à tout Américain le droit de porter une arme, et ainsi de pouvoir se défendre à... En cas de violation, par exemple, du domaine privé, c'est-à-dire le bateau de la personne qui est absolument. Juste en dessous. Mais vous inquiétez pas pour le droit de propriété, c'est un droit qui est fondamental. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste vous poser une question. Où voulez-vous en venir avec votre client? Écoutez, notre client n'a pas à rester ici toute la nuit. Il doit sortir. Ce qui s'est passé, pourquoi? Et les faits sont ici. Vous êtes allé sur le bateau sans vous présenter. D'accord, une balle a été tirée dans un agent légitime défense car violation du domaine privé. Le bateau ne vous appartenant pas, aviez-vous de quoi aller sur ce bateau? Aviez-vous un mandat? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Nous voulons voir le mandat. Monsieur, restez un peu courtois. Monsieur, nous connaissons la loi. Restez un peu courtois et ne prenez pas ce temps-là. Restez courtois. Si demain je vais tuer quelqu'un, je vais tirer sur un policier et que je vais rentrer dans mon véhicule, je vais dire au policier: ah bah non, vous pouvez pas m'arrêter, je suis dans mon véhicule. Oui, mais c'est notre cas. Il était dans un bateau, c'est pas notre cas, monsieur. Avec des si, monsieur, on coupe du bois ici, d'accord? Notre client était sur un bateau. Il n'a rien demandé à personne, ni vous, ni nous. Un policier est arrivé sur ce bateau sans mandat. Avez-vous un mandat, monsieur?
Monsieur, sans mandat, vous ne pouvez rien faire. Avez-vous ce mandat? Je veux voir le mandat, je demande à voir le mandat. Et l'ordre d'exécution. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose sans mandat. Étant donné qu'on l'a pris en... flagrant délit de pêche. En flagrant délit de pêche, monsieur. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On l'a pas pris en flagrant délit de pêche. Alors qu'est-ce qu'il faisait sur son bateau, monsieur? J'ai envie de savoir. Il fuyait tout simplement. Il fuyait la police alors qu'on l'a sauvé. Quelle est la preuve? Qu'il fuyait. Donc vous voyez un bateau, vous voyez n'importe quel bateau. Le témoignage des officiers assermentés. Non, mais ils ont vu quoi? C'est pas une preuve, ça, c'est un témoignage. Dans ces cas-là, moi, le témoignage de mon client dit qu'il était en train de pêcher, ça ne tient pas. Chacun a sa vision des choses, c'est pour ça qu'on va régler ça le jour du procès. Vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de vision des choses, monsieur. Il faut que notre client sorte. Il va sortir. Il doit sortir. Là, il va falloir vraiment comprendre qu'il faut qu'il sorte. Il y a vice de procédure, de toute évidence. Il n'y a pas de vice de procédure. Où est le mandat, monsieur? Quelle est la preuve que mon client souillait? Quelle est la preuve? Mon client, en aucun cas, et là, débouchez-vous bien les oreilles parce que ça va se mouiller. En aucun cas, ne peut être maintenu en cellule parce qu'un policier a cru que mon client s'enfuyait. Non, monsieur, mon client était sur son bateau de pêche, un policier est rentré sur son bateau, il ne savait pas que c'était un policier, il a fait feu. Point final, mon client doit être tiré. Donc, non, écoutez-moi bien. Il pensait que c'était pas un policier, il s'est dit, je peux tirer, c'est ça? C'est alors normal, que... c'est de la légitime défense, c'est violation de domaine privé sans présentation. Monsieur, vous êtes de nuit dans un bateau. Un homme montre à bord de ce bateau. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une arme à feu. Mais excusez-moi, vous voulez que je vous donne un petit conseil, monsieur? Non, on connaît la loi, monsieur, nous n'avons pas besoin de conseils. Nous avons juste besoin que notre client ait accès à l'entièreté de ses droits et nous connaissons la loi, monsieur. Eh ben, dans ce cas-là, si vous connaissez les lois, vous pourrez donc repasser lors de son jugement. Il est hors de question qu'il sorte ce soir. Point final. Il doit passer. Vous n'avez pas le choix. Nous sommes auxiliaires de justice. Vous n'avez pas compris. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas saisi l'ampleur des événements. Et si le juge est à votre niveau professionnel à l'heure actuelle, nous sommes et la ville et dans de sacrés beaux draps. Et la justice ne sera pas rendue. Je vous demanderai de montrer un peu moins. Excusez-moi. Votre client restera ce soir en cellule jusqu'à ce qu'une boîte. Il ne peut pas. On demande une caution. Je vais vous demander par conséquent si vous souhaitez prier. Il faut qu'on voit le juge. Là, vous bégayez, monsieur, il faut qu'on voit le juge parce que c'est pas possible. Il faut vraiment comprendre que c'est pas... Il est où, le juge? N'hésitez pas à aller voir le juge, je vous donne son numéro. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, mais il est hors de question que votre client sorte ce soir. Ah, il nous faut un supérieur. C'est pas à vous de le décider, ça, monsieur, je vous rappelle. C'est pas à vous de le décider. Ça, il faut comprendre que si vous voulez que cette ligne tourne droit, il va falloir respecter la loi. Vous êtes cru policier peut-être pendant un instant, peut-être, monsieur. Je vous rappelle qu'en attendant les procès, il existe ce qu'on appelle la liberté conditionnelle. Monsieur, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire respecter la loi. Vous avez payé sa caution? Elle est combien, sa caution? Elle est combien? C'est pas vous qui l'a décidé, hein, c'est le juge. Dites-nous, oui. Bah justement, il est pas là, donc on peut pas décider maintenant. Donc on le libère, voilà. De plus, le policier. Il y a un mandat. Il y a pas de mandat d'arrêt. Là. Le juge n'a pas exercé. De plus, où est le policier qui a. À vous chauffer, comment c'est à vous chauffer, monsieur? Monsieur, je vais vous demander gentiment de sortir de ce bureau et de sortir du poste de police. Non, mais vous, vous sortez. Nous ne bougeons pas d'ici. Non, on ne bougera pas. Eh bien, je vous la loi. Vous voulez m'empêcher de sortir? Nous connaissons. Non, nous sommes juste bloqués devant une porte. La porte est bloquée. Vous empêchez notre client de sortir, on vous empêche de sortir, monsieur. C'est comme ça, c'est la loi. Monsieur, c'est comme ça, c'est la loi. Ok, je vais appeler les officiers dans ce cas. Non, vous appelez personne. Vous n'avez pas le droit. Ici, procureur, j'ai besoin de deux officiers, s'il vous plaît, dans la salle de repos du poste de police. Quatre. Parce que croyez-moi qu'on va pas se laisser faire. Monsieur, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Laissez-moi. Monsieur, vous allez dans une spirale sans fond. Monsieur, vous allez regretter éperdument. Commencez pas avec des menaces. Il n'y a aucune menace, monsieur. Nous connaissons la loi. Nous connaissons la loi et nous connaissons les droits. Vous la connaissez pas suffisamment, apparemment. Croyez-moi que si. Croyez-moi que vous allez apprendre à connaître Sterling Cooper, monsieur. Voilà. Avocat au gros barreau, monsieur. Non. Non, vous ne pouvez pas. On vous a dit non. Monsieur, il reste gentil. Vous empêchez notre client de sortir. Vous ne pouvez pas sortir. Vous n'avez pas le droit.